Supporteur des Verts en partenariat avec Active. Présenté par Kuhn. Bonsoir, <laughs> bonsoir tout le monde. Bienvenue dans ce nouveau numéro du Synthé Night Club. Alors je ne vous cache pas que c'est le ventre un peu noué que je lance cette émission. Le match d'hier m'a laissé une sensation étrange, un mélange de colère, de résignation, de peur, de dégoût aussi un peu. Euh, je crois que je supporte plus trop cet espoir qui se renouvelle chaque semaine parce qu'on est supporter, mais qui est sans cesse douché lamentablement. C'est une vraie vie de con quand même, la vie de supporter. Mais bon, quand on est au stade et qu'on chante qu'on sera toujours là, on ment pas, et c'est ce qui rend cette période aussi relou. Bref, avec moi, d'autres qui seront toujours là. Tout d'abord, Eric de Green Prospect. Bonsoir Eric. Bonsoir à tous. Euh, je suis d'accord avec toi Ken ça m'a laissé un, un goût assez amer et, euh, et ça m'a rongé une bonne partie de la nuit. <laughs> donc euh, donc euh, j'en ai gros sur la patate. Mais euh, j'ai l'impression qu'on qu n'est pas les seuls. Hein, pour regarder autour de moi un petit peu les supporters des Verts, ça a exacerbé les émotions qui étaient déjà présentes. Par exemple, tout, toi, pourquoi, pour toi, ce serait laquelle l'émotion qui domine Est-ce que c'est euh, la colère Est-ce que c'est la résignation Est-ce que... Non, je suis encore dans la colère, moi, vraiment. La colère. Euh, ouais, 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 La colère et, et pas mal d'incompréhension aussi. Et eh bon, on va essayer de, de comprendre tous ensemble pour essayer d'être un petit peu moins en colère. Un autre qui sera toujours là aussi, c'est Alex. Bonsoir, Alex. Salut, Kun. Salut, Eric. Euh, salut à tous. Ravi de, de revenir dans le SNC après une, une petite pas de disette. Euh, malheureusement, c'est toujours une défaite. Mais euh, ouais. comme à, ce matin dans le tweet, on est là pour une belle thérapie de groupe. Donc, euh, content d'être là. De toute façon, pour revenir sur une victoire, fallait viser juste. Hein. <laughs> Et de ton côté, l'émotion qui domine là, en ce 11 octobre 2022, qu'est-ce que c'est En un mot euh... Alors moi, résignation. J'ai déjà passé ce cap-là, euh, donc on va dire que je suis plutôt dans le questionnement de comment on peut en arriver là chaque semaine, comment on peut repousser les limites chaque semaine. Très bien. Eh ben, écoutez, on va, on va parler de, de tout ça tous ensemble. Euh, Karl n'est pas là au chat ce soir. Il a, il a eu un empêchement. Donc, euh, n'hésitez pas à apparaître dans le chat. Je me ferai un plaisir de faire remonter euh, vos commentaires. Et bien sûr, on est tous ensemble. Allez, c'est parti. Débrief du match. Euh, faut que je lance le jingle. Il est là. Active Sainté Night Club. Le débrief. Voilà, alors messieurs, on va commencer tout de suite avec le débrief du match contre Socho. Euh, je vais vous demander euh, un top et un flop euh, chacun. On va commencer avec toi, Alex, et bien sûr dans le chat, euh, donnez-nous votre top et votre flop. On va pas partir sur 15 flops et un top parce que sinon ça va être un peu, euh, un peu redondant. Donc un top, un flop chacun. C'est à toi, Alex. Euh. Top. Euh, je sais pas s'il si va être original, mais euh, je vais sortir Victor Lobry, euh, qui est pour moi un peu euh, la lueur dans, dans une soirée bien terne en, en terre Chalienne. Euh, voilà le... Dune parce que c'est un joueur que, que j'apprécie depuis le début en termes de, de qualité euh, footballistique, euh, ce, qui, ce qui montre, ce qui propose. Euh, ça me, ça me plaît et voilà hier c'est celui qui tente, c'est celui qui, qui se rend disponible, c'est celui qui, qui propose des choses euh, dans ce milieu à trois avec mon conduit et, et chambaud euh, qui, a été, euh, qui a été très décevant. Donc pour le top Lobry et pour le flop, euh, j'ai hésité entre plusieurs, euh, mais je vais quand même mettre euh, Gérodon euh, derrière. Parce que c'est très compliqué, c'est très lent, c'est très passif, euh, c'est toujours à quelques mètres de son adversaire direct. Donc euh, voilà, pour un joueur qui était censé amener de l'expérience, euh, je vais mettre Girondon encore pour une prestation assez fébrile hier soir. Ouais, Giraudon, il, y a, il, il y a un souci, hein. il se fait dribbler euh, euh, extrêmement facilement, euh, il, comme tu dis, il est ouais. hyper lent. Je pense qu'il va pense falloir qu'on qu qu évoque son cas, effectivement. Il prend un jeu rapidement euh, hier, donc c'est peut-être ce qui explique un peu sa passivité après, par la suite, mais bon, euh, si on prend le, le fil depuis le début de la saison, c'est pas convaincant du tout. Eric, de ton euh, côté, si on, si on donne un top alors, et un flop Pour rebondir sur ce que disait Alex, ce qui est d'autant plus dérangeant avec Girodon, c'est que c'était censé être la figure de Proud Batles, quoi. C'était euh, euh, sa, sa, sa top recrue défensive, le joueur qui connaissait, son capitaine à 3 et euh, bah, il le lâche totalement euh, je pense qu'on peut même aller jusqu'à dire qu'il le trahit euh, comme, il, comme il trahit l'équipe euh, moi dans mes tops... Fin dans mon, les dans mots sont durs et Ouais, non, non, mais je vais pas, je vais pas mâcher mes mots aujourd'hui. Hein, non, parce mais que... euh, franchement, je vous, je vous préviens, on a eu un petit brief avant le début de l'émission et on s'est dit on essaye souvent quand même d'essayer d'être de, le plus mesuré possible, d'essayer d'être constructif. Là, je vous avoue que ce soir, il y a quand même pas mal de colère qui, qui nous anime. Pardon, je te laisse, je te laisse continuer, Eric. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Euh, du coup, dans mon top, je mettrai euh, mon conduit pour pas mettre l'Aubry ouais. euh, parce que c'est le. Seul autre joueur à part Lobrick que j'ai trouvé euh, correct, voire, voire satisfaisant. Euh, C'est vraiment un joueur qui, depuis qu'il est arrivé, m'impressionne par, euh, par sa qualité de jeu, par son expérience, par sa justesse. Alors, euh, il manque peut-être un petit peu d'impact de, de, physique. Euh, notamment dans certains duels euh, par contre euh, en termes d'aération du jeu en termes de, de vision du jeu en termes de ce qu'il est capable de proposer euh, pour 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 construire des actions pour accompagner des actions euh, c'est quand même très très fort donc euh, donc je le mettrai avec l'aubry euh, et puis euh, oui enfin sur l'aubry j'ai rien à rajouter par rapport à ce qu'a dit alex hein, c'est il est au top. Et en flop, euh, je, mettrais, euh, je mettrais les entrants. Euh, ok. Alors. Euh, bon, euh, c'est Pintor qui est rentré. Pintor Pintor, je sais jamais comment on dit. Oui, mon non plus, je sais, je sais pas. On va, on va dire Pintor, allez, ce soir. Pintor, c'est très bien. Pintor qui est rentré à 30 minutes de la fin à la place de Palencia, euh, qui a été euh, nullissime, mais vraiment ouais. affreux. Euh, à se demander sur je... le match d'hier S'il n'est pas un agent infiltré Vu qu'il a été formé en partie à Lyon <laughs> On est, est d'accord euh, Il m'a rappelé Nordin Mais en pire euh, En plus il faut savoir que je porte pas Nordin dans mon cœur Mais c'est un joueur qui n'apporte rien euh, Ne crée rien Perd tous ses ballons Et rate ses face à face euh, Je ne vois pas comment on peut faire pire euh, Et après bon, bah, Les autres entrants n'ont on pas eu de chance Parce que Batles les a fait rentrer qu'à 10 minutes de la fin mais euh, globalement, il y avait, y avait euh, quatre joueurs frais euh, à la fin du match sur le terrain. On ne les a pas trop, trop remarqués, c'est un peu dommage. Euh, là, on avait vraiment besoin d'eux, surtout dans les 10 dernières minutes. On avait besoin d'impact, on avait besoin de volonté. Et je trouve qu'ils se sont un petit peu cachés. Pour rappel, on a eu donc Bouchoirie, Moueffek, Cafaro et, et Pintor qui sont rentrés. Alors, quand je, quand je regarde dans le chat, euh, déjà bonsoir à ceux qui nous rejoignent. Félicitations d'être toujours là. C'est pas facile pour tout le monde, je pense. Mais je vois que dans les tops, ce qui ressort le plus, c'est effectivement euh, l'Aubry. Euh, je pense que c'est assez euh, unanime. Et dans les flops, il y a Girodon qui revient, effectivement. Il y a Pintor. Pintor euh, est, est beaucoup revenu. C'est assez étonnant d'ailleurs que euh, le principal flop soit euh, un, un entrant. Euh, Selon vous, on l'explique comment justement le fait que, que, que Pintor soit assez représentatif de, de ce qui n'allait pas hier Est-ce que c'est sur ses actions ratées à la fin où il, où il manque des balles de but Est-ce que c'est sur son engagement Est-ce que c'est sur son niveau technique Son niveau physique Qu'est-ce qui, qu qui ressort de la prestation de Pintor qui, qui, qui te donne envie de le, de, le, de le mettre en flop numéro 1 euh, pour moi c'est un ensemble de tout ça en fait je pense que mentalement il ne se donne pas à fond et ça se voit parce qu'en fait euh, depuis le début de saison il est constamment en retard euh, il va contre le cours du jeu euh, il est euh il n'est pas clairvoyant du tout, c'est un contrat. Il fonce dans le, il fonce contre... enfin, dans les adversaires. Euh, ses occasions de but, on le voit tout le temps en train de trébucher parce que il est en bout de course, il ne se... il sait pas se placer avant de se frapper, euh, enfin avant de frapper la balle. Je, Je pense que en fait c'est juste ouais, un... un manque de, un manque de, de volonté, un manque de. de... De, mettre les ing... enfin, de volonté pour mettre les ingrédients qu'il faut et, euh, et c'est pas le seul sur le terrain après il euh, y en a qui sont plus ou moins euh, plus ou moins constants et qui, euh, qui vont réussir la plupart des matchs à, à sortir ce qu'il faut euh, mais qui parfois vont être fantomatiques Pintor en, en, en l'occurrence il est toujours fantomatique ouais. et, euh, et en fait euh, ben, c'est ça, c'est que on a toujours l'impression, et c'était déjà le cas la saison dernière, c'est pour ça que ça vient. On a toujours l'impression que les joueurs subissent un petit peu ce qui leur arrive, qu'ils sont pas dans l'action mais dans la réaction et euh, qu'ils aient le ballon ou pas, bah, ils sont un petit peu victimes d'eux-mêmes. Et c'est très triste parce que quand c'est comme ça, tu, tu peux absolument rien faire quoi. Et c'est pas digne de joueurs professionnels et c'est pas digne de joueurs qui, qui jouent sous le maillot Stéphane, et je reviens vers toi Alex, tu, tu, toi tu avais, avais donné euh, Girodon en flop, est-ce que, ce, que vient de, ce dont vient de parler Eric là, cette, euh, cette fébrilité, ce, ce sentiment d'être toujours en victime expiatoire, est-ce que euh, justement c'est pas un peu la faute des cadres, est-ce que c'est pas un peu la faute de, de Girodon et, et Consort qui devaient apporter leur expérience euh, euh, tu, tu, on, on parlait potentiellement même de trahison euh, de, de Girodon vers Batles. Euh, Qu'est-ce qui explique selon toi qu'il qu soit plus au niveau que, euh, auquel Batles ah, l'a connu C'est la vieillesse, hein. c'est le physique qui suit plus je, 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 Alors Physiquement, c'est vrai que c'est déjà pas un mec. Euh, c'est pas le mec le plus rapide du monde, Gérodon. Hein, c est, il est assez euh, pâteau, euh, lent au démarrage. Euh, après, comment expliquer la différence de niveau qu'il a pu avoir à Troyes euh, ou à Saint-Etienne euh, bah ça c'est une, euh, une question assez compliquée, je pense que voilà, qu la, la, la réponse pour la trouver en 2-3 secondes comme ça c'est un peu compliqué. Ouais. Euh, maintenant c'est vrai qu'il y a peut-être, il ne peut faut, faut pas se mentir, hein, un microcosme stéphanois, un environnement euh, au, au, autour du club. Euh, on, on sent une nervosité on sent, euh, on sent des joueurs sous tension, euh, on l'a vu hier avec Yvan maçon euh, à la fin du match euh, avec les supporters, Crasso euh, qui prend feu rouge, euh, Batles qu'on voit très nerveux sur un banc, sur le banc pardon. on, on, on sent que... alors je dis pas que l'ambiance n'est pas, euh, pas au beau fixe, hein, je suis pas dans l'intimité du groupe mais on sent effectivement qu'il y, y, y a cette nervosité palpable qu'on retrouve à chaque match et qui se, trans... qui, qui se, trans... qui se retranscrit finalement bah, par des erreurs individuelles par des cadres qui sont défaillants, on y reviendra plus tard. Euh, et, et tout un tas de choses qui, mis bout à bout, font que finalement, on se tire presque à chaque match des balles dans le pied. Donc c'est assez compliqué. Après, pour en revenir à Pintor, euh, Eric parlait de, de voilà de, de, qu'il était souvent en retard, euh, qu'il était toujours euh, qu'il avait toujours un temps de retard, qu'il ne mettait pas assez d'intensité dans ce qu'il faisait. Euh, pour moi, y a, y, avant tout, c'est un problème technique et de qualité. Ce mec-là, comme tu disais Eric, hein, c'est un order bis. Hein, c'est quelqu'un qui fonce la tête baissée, euh, son QI foot, il doit pas être bien élevé. Et je pense qu'on a tous eu le même réflexe quand la rumeur Pantor est sortie, on a tous été euh, taper son nom sur YouTube, on a vu quelques vidéos, euh, alors euh, sans me prétendre pour un scout, etc., euh, au bout de 2-3 minutes de vidéo, tu vois que le mec, euh, c'est pas une fou un foudre de guerre et qu'il qui fera pas des différences. Euh, sur son côté. quoi. Et voilà, encore une fois, les, les occasions qui ratent hier, euh, c'est euh, symbolique de, de, ce, de ce manque de qualité, de, de ce manque d'envie criant chez certains joueurs. Alors, je, je vois aussi dans le chat que qu'il euh, y, a, y a pas mal de fois le message qui revient euh, devant, c'est ultra faible euh, crasso est nullissime. Il euh, y, y a eu vraiment un vrai match raté, je pense, on peut le dire, de Crasso et de Wadji euh, hier. Cette association qu'on voyait euh, assez belle, finalement, il y a quelques semaines, euh, qu'est-ce qui fonctionne pas Est-ce que c'est le fait qu'il soit que deux euh, et qu'il vaudrait mieux jouer à trois devant euh, avec un, un chambeau plus haut ou, ou ce genre de choses Est-ce qu'il faudrait qu'il y ait un seul neuf, comme Crasso jouait en début de saison et que Wadji euh, soit, soit un sub euh, Qu'est-ce qui fonctionne pas dans cette attaque actuellement euh, alors, moi, ça, ça me. Ça me... J'aime bien cette question parce que j'avais fait l'émission il y a Merci. un mois avec Sylvain où, où on avait fait la présentation de l'entente waji crasso qu'on voyait avec beaucoup de potentiel et que je vois toujours avec beaucoup de potentiel. Euh, seulement, dans, dans notre analyse qu'on avait fait euh, en incluant Chambaud euh, on n'avait jamais pris en compte le paramètre selon lequel Crasso redeviendrait Crasso. Euh, C'est-à-dire celui qu'on avait connu il y a quelques années, euh, qui était énervant au possible sur le terrain, qui était nonchalant, qui, 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 qui ne jouait pas pour l'équipe mais juste pour le spectacle et, et qui le faisait mal. Euh, je pense que c'est un des problèmes principaux parce que euh, la grande force de Crasso depuis le début de saison c'était quand même de garder le ballon. Il en est incapable et il s'en donne pas la peine. Ça se voit dans l'attitude physiquement, dans la façon dont il se tient quand il a le ballon. Euh, c'est plus le même par rapport, euh, par rapport à il y a un mois. Euh, après, à côté de ça, il y a Wadji qui est quand même très limité pour le coup. Euh, lui dans l'attitude, dans l'envie, on ne peut pas le remettre en doute. Euh, par contre, il euh, y, y a des vraies lacunes techniques, tactiques et, et d'intelligence de jeu. Euh, et à côté de ça, on a Chambeau enfin, aussi qui se cache, j'ai l'impression. Euh, il touche très très peu de ballons. Euh, il est rarement bien placé par rapport à ce qu'on aurait besoin. Euh, soit il est trop bas, soit il est trop haut, soit il est trop excentré. Euh, c'est un ensemble de choses qui fait que les trois devant ça fonctionne pas du tout et, euh, et honnêtement alors moi j'ai toujours plaidé pour qu'on recrute au moins un piston et un attaquant en plus parce que là aujourd'hui on se retrouve dans une impasse où ces trois titulaires là ils n'ont pas de remplaçants et, et on, du coup on n'a aucune solution Ouais, je vois dans le chat ça. On, on, on sent qu'il y, qu y, qu y a vraiment euh, de, la, de la déception par rapport à hier que on, on en peut tous plus quoi. Euh, là sur l'attaque, Crasso, euh, je le trouve lent. Crasso, euh, il marche. Crasso, il ralentit trop le jeu devant, c'est insupportable. Euh, quelle lenteur. Chambaud euh, hier vraiment fantomatique. C'est ça, comme, comme si un petit peu chaque joueur jouait un peu pour sa pomme. Euh, Wadji, Crasso euh, et Chambaud, un peu avec chacun ses qualités, mais pas du tout ensemble, comme si ça faisait pas équipe. Et, euh, et, et, et pardon, je donne beaucoup mon avis ce soir du coup, mais euh, euh, juste avant l'émission, euh, j'écoutais Jean-Marc Furlan qui était, qui était interviewé et qui parlait de Sir Alex Ferguson qui disait « C'est rare qu'une équipe avec plus de deux nouveaux euh, fonctionne comme une équipe ». Et là, bon, euh, il s'avère qu'avec les circonstances de la descente en D2, on a dû euh, faire un, un gros ménage et une grosse revue d'effectifs et qu'il y a énormément de nouveaux joueurs. Et je ne sais pas toi, Alex, je sais pas comment tu le ressens, mais euh, c'est vrai que, que ce soit en attaque ou euh, dans l'équipe en général, on ne ressent pas ce besoin de jouer les uns pour les autres. Comme si le stage, finalement, au Chambon-sur-Lignon avait servi à rien. Euh, c'est à... une question un peu longue, peut-être. Non, non, t'inquiète, elle est, elle est claire. Euh, pour en revenir à, à, à ce mécanisme de, de devant c'est vrai que je pense qu'il y, y a un ensemble de choses qui ne vont pas comme l'a dit Eric Crasso euh, euh, et Wadji je trouve qu'ils qu se marchent un peu dessus donc Crasso euh, dézone beaucoup et si Crasso dézone beaucoup Chambaud bah, est obligé, est obligé pardon, de jouer un peu trop bas ou un peu trop excentré sur la gauchière euh, donc finalement il n'est pas euh, proche des attaquants comme il le voudrait et là où il est meilleur donc je pense que c'est vraiment tout un tas de choses euh, tactiques et organisationnelles au niveau du terrain qui font que ça marche pas devant pour l'instant euh, après Crasso il a pas perdu euh, ce qu'il a montré depuis le début de la saison du jour au lendemain et euh, je reste persuadé que, que, que les deux ça peut marcher euh, tôt, tôt ou tard euh, après comme tu l'as dit euh, c'est une période où on savait que ça allait mettre du temps tout ça à se mettre en place euh, moi là où je suis un peu plus où j'essaie d'être un peu plus pragmatique, c'est que Batles sans tête entre guillemets à rester sur ce schéma là à 5 derrière mais que dans ce schéma là à 5 derrière, un des postes clés, ce sont les pistons et on joue avec des mecs qui ne sont à l'origine pas des pistons. Masson Maçon à gauche, ça marche pas. Palencia hier encore à droite, c'est très compliqué. Palencia son match, il est horrible il est catastrophique, euh, euh, pour moi, il n'a il a, il a, il a rien d'un piston. Euh, donc c'est très compliqué pour Batless euh, de, de mettre des choses en place aussi rapidement, même si on commence à voir certains, certaines phases de jeu qui se répètent, certains, certaines choses travaillées. Mais par contre, il va falloir qu'un jour ou l'autre, euh, Batless fasse preuve d'un minimum de pragmatisme. Et finalement, s'adapte aux forces qu'il a en présence. Euh, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Euh, une défense à 5, c'est censé rassurer. On est la pire défense de Ligue 2 à l'heure actuelle, ou la, la, la co-pire défense. Mais euh, voilà, ce, ce sont des choses qui... qui mettent du temps à se mettre en place. Et je finis sur ça. Tu parlais d'une équipe qui mettait du temps à se mettre en place euh, quand on part sur euh, un recrutement euh, qui, qui est en nombre, qui se fait en nombre. Large, que... ouais. Voilà. Je pense à la première année de Galtier. Euh... Qui sauve le club à Boulogne-sur-Mer sur ces hein, six premiers mois, il fait un premier recrutement où il recrute, tu sais, tu te rappelles, les Albin et Bondo, les ouais. bah, Laurent Batou, Clément, Lemoine, Marshall, tout ça. Et finalement, euh... alors je ne dis pas qu'on fait une très bonne saison, loin de là, mais j'ai l'impression que l'ensemble prenait mieux, en tout cas, parce que c'était peut-être des joueurs qui se mettaient plus au service du collectif. Voilà. Ouais. ouais ça. Je en fait, je suis totalement d'accord avec toi. C'est ce que j'allais dire. La différence là, euh, c'est dans les mentalités. Là où, enfin, euh, bah, on, on voit bien dans la personnalité de Batless, comme il est en tant qu'entraîneur, euh, on sait très bien comment il était en tant que joueur. C'est le genre de situation où, en tant que joueur, il l'aurait jamais accepté, tu vois. Et, euh, et là, dans l'effectif, je suis, je suis pas sûr qu'il en ait des comme ça. Euh, parce que le problème, c'est que bah, Girodon, euh, Batlet ça dit lui-même. Hein, c'est un grand timide. Euh, mmh. Il va pas l'ouvrir, il va pas parler. Euh, et, et des mecs comme ça, à part à part Briançon, à part Lobry je pense enfin moi, Lobry dans, dans les dans les, les interviews qu'il donne, j'ai l'impression qu'il commence à être très très agacé de la part de, de des, des prestations de ses coéquipiers. Et, mmh. et c'est justifié. Euh, mais tu vois, des, des, fin, on en a deux trois. Et, euh, et si les autres décident de pas leur donner du pouvoir Enfin euh, si, si les autres décident de pas les écouter Bah ça sert à rien euh, Batles et, euh, et Lobry et, et Briançon Ils parlent dans le vide quoi mmh. <coughs> Par, pardon. Par rapport à la cohésion d'équipe Il y a Leïla dans le chat Qui dit il suffisait de regarder le langage corporel des Verts Comparé à celui de Socho. Qui joue comme doit le faire une équipe de Ligue 2, collectif et solidaire, pas flamboyant mais efficace. Et, et c'est ça, c'est ce sens du collectif, le fait de, de faire la course pour son pote, de euh, si, euh, si Girodon se fait dribbler euh, et qu'il n'arrive pas à rattraper euh, son pote, ce qui arrivera environ 200 fois par match, eh ben, il faut qu'il y ait quelqu'un pour, euh, pour faire la couverture derrière. Et euh, on, on avait prévu de parler de Batles toujours un tour intouchable, quelle est sa part de responsabilité. Et je vois dans le chat déjà des, des, des premiers messages qui disent, Batless ne passera pas l'hiver si on ne gagne pas samedi. Euh, euh, Batless sera certainement limogé en cours de saison. Euh, donc vous voyez, ça commence déjà à parler de, de, de l'avenir de Laurent Batless. Euh, Est-ce que pour vous, il doit déjà être mis en question, euh, Laurent Batless euh... Eric, j'y vais ou tu... Vas-y, vas-y, je t'en prie. Ouais. Alors, il faut, faut faire attention euh, avec ce qui se dit sur, euh, sur les réseaux. On, on est les premiers à être impulsifs euh, par rapport aux résultats, euh, par rapport à la mauvaise euh, série euh, actuelle hein, depuis le début de la saison. Je pense à depuis le début de la saison. Forcément, euh, le premier fusible quand ça ne va pas, c'est le coach. Euh, maintenant, je, 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 moi, je suis peut-être naïf, mais je suis convaincu que... Le futur de Santé, euh, il doit s'écrire avec batles, euh, Parce que c'est quelqu'un, et c'est pas le cas de tous les coachs euh, actuels, c'est quelqu'un qui a les idées claires sur ce qu'il veut faire, sur ce qu'il veut mettre en place. Euh, et moi, ça, j'adore ça. J'adore les entraîneurs qui savent ce qui, où ils veulent aller. Euh, Est-ce qu'il a les outils pour aller à l'endroit où il veut aller aujourd'hui Je suis persuadé que non. Je suis persuadé que non. Euh... Je suis persuadé que non. euh parce que je pense que le mercato d'été, même s'il a été quantitatif, comme tu le disais, que il y avait des manques. Euh, il y avait des manques sur certains postes clés. Bah le, euh, les, le poste de piston, on en parlait déjà. C'est vrai que. Le de, voilà, le poste de piston. Euh, le, 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 le poste de neuf, Waji, je ne suis pas sûr que ça soit le, 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 le bon profil non plus. Euh, voilà, tout un tas de choses. En tout cas, moi, je suis persuadé qu'il faut rester euh, solidaire par rapport à à Batless par rapport à ce qu'il veut mettre en place et encore une fois faut faut prendre du recul sur euh, sur certains matchs ou sur certaines prestations qui méritaient beaucoup plus que ce qu'on a que ce qu'on a récolté en termes de points euh, et finalement si on met à part les erreurs individuelles de de, de prétendu cadre dans le jeu dans le contenu c'est pas toujours ridicule loin de là voilà c'est ça ouais. que je veux mettre en avant donc euh, pour moi Batlès euh, il est pas il est pas menacé euh, euh, il ne sera pas menacé puisque je pense que le board n'a pas d'autres idées et euh, c'était un peu la, la carte Vatou euh, qu'a qu a, qu a qu a, qu a tiré le board en, en nommant Batles. Et je pense qu'on doit continuer absolument avec ce coach. Je suis, je suis assez d'accord. Juste, il y a Maître Loutre dans le chat qui dit Duprat aussi, il savait où il voulait aller en COP. <laughs> ça m'a fait beaucoup rire. <rire> Euh, Eric, ouais, sur, sur, sur la position de Battlest, toi, tu penses qu'il euh, que, que, qu faut le laisser bosser tranquille ou qu'il faut déjà commencer à lui mettre un petit peu la pression Non, 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 mais déjà, je pense que c'est un gars qui se met la pression tout seul, enfin, euh, il se remet en question, ça c'est sûr et certain et on peut pas le mettre en doute. C'est un mec qui est intègre, qui est, qui est, qui est, qui est entier. Euh, qui, est, qui est sérieux et professionnel, et c'est suffisamment rare par les temps qui courent pour le souligner. Euh, et en plus de ça, c'est un mec qui aime le beau jeu, c'est un mec qui aime Synthé, euh, il réunit tous les atouts pour, pour réussir, et en plus on a vu vraiment su, sur les matchs, sur la qualité de jeu, il euh, y a plein de matchs où on n'a pas gagné, c'était frustrant, mais qu'est-ce que j'ai kiffé de regarder le match, tu vois, c'est des matchs où on a dominé, où, où vraiment il y avait du beau jeu, il y avait des enchaînements, ça courait, c'était juste. Euh, on a envie de voir ça et, et moi je, je reste persuadé que l'équipe peut s'améliorer et euh, en fait le, 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 le seul point sur lequel je m'interroge c'est peut-être les limites de Batles dans la gestion humaine de son groupe. Euh, il, il a réussi à remettre en, en question Masson et à le faire réagir. Euh, Est-ce qu'il va réussir avec, euh, avec les autres joueurs en sachant qu'il n'a pas la carte de, de, euh, de la concurrence en attaque, il ne peut pas faire jouer quelqu'un d'autre à la place de Crasso, il ne peut pas faire jouer quelqu'un d'autre à la place de Wadji. Euh, c'est assez compliqué, il est très limité en termes de quantité en attaque. Euh, moi je m'interroge ouais, sur, sur sa capacité à, quand, quand il n'a pas suffisamment d'effectifs, à faire comprendre aux joueurs que malgré le fait qu'il soit titulaire certain, ils doivent être sérieux. C'est la seule question que je me pose, et à, cette, à ce problème, je vois la solution du prochain mercato où euh, il faudra à nouveau recruter en quantité et en qualité, euh, parce qu'on a beaucoup trop de manques. Ouais. <coughs> on... je, je me permets de rebondir sur une chose qu'a dit Eric qui est très importante pour moi c'est que hier, alors, ok, le résultat n'est pas là, mais finalement, mine de rien, on prend plaisir à voir ce genre de match parce qu'il se passe des choses, parce qu'il y a des occasions, parce que. Il voilà, y, y, y a des faits de jeu et c'est récurrent, je trouve, dans, dans les matchs qu'on qu qu regarde depuis le début de la saison. Et c'est peut-être ce qu'on avait perdu à un moment donné. Mais en tout cas, euh, même si les résultats ne sont pas toujours là, il se passe des choses. Voilà. Après, si, si, si je peux me permettre de rajouter un truc que je vais rajouter, euh, Battles, je m'interroge quand même sur ses choix. Euh, moi, je trouve oui. que Caparo avait fait un très bon match euh, la semaine dernière. Il, il, faro sort, faro. Il, il remet Palencia. Ouais. Euh, au final, on voit que Palencia est catastrophique, que Cafaro sur son entrée en jeu est vraiment pas mal. Euh, J'ai l'impression qu'il donne une carte blanche à certains joueurs qui ne le méritent pas forcément. Et qu'à côté de ça, d'autres joueurs qui sont peut-être un peu plus méritants, et notamment L'Aubry, par exemple, qui était resté sur le banc à la place de Bouchoiry pendant deux matchs alors que fo était en difficulté et ben bah c'est pareil euh, c'est ça c'est des, des petits détails qui font qu'un match peut basculer et euh, dans le mauvais sens et je, je, je pense qu'il doit être plus dans l'anticipation et plus dans euh, la sanction elle n'est pas forcément punitive mais euh, il doit quand même y avoir sanction qui suit une mauvaise prestation je trouve je pense qu'on est euh, on est au final euh, tous les trois d'accord, moi je vous, je vous posais une questions un petit peu de cette manière là pour, euh, pour ouvrir le débat parce que je vois quand même des, des gens dans le chat qui sont pas forcément d'accord avec nous mais, euh, mais oui je pense que enfin, euh, virer Batless maintenant à six mois du début de son contrat euh, ça, 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 ça servirait pas à grand chose. Euh, de toute façon pour mettre qui Déjà, euh, ouais. je, je vois pas qui on pourrait mettre à la place sur, sur cet effectif là, oui. avec quel on a projet. un euh... français euh, libre qui s'appelle Pascal Dupraz, je sais pas si vous connaissez, euh, qui est habitué à sauver les clubs en difficulté. Ah ouais, c'est pas mal pour faire le pompier effectivement. Euh... Ouais, ouais. On peut, peut, on peut avoir le maintien. Hein. Eh, ça avait marché avec Toulouse, hein. si ça se trouve, c'est un bon coach. Hein. On sait pas, hein. en vrai. Ouais, et, ici, il y peut-être des, des, des joueurs libres comme Colo Jetjack si on peut arriver à le choper. À... <laughs> que pas mal. Que Gizak, il a une sa bien. sacrée carrière, hein, mine de rien, parce que euh, son passage au Mexique, euh, il était pas mal. Hein. Ah oui, ça va <laughs> mm. Pour remplacer Girodon... Euh, bon, bref. Euh, <laughs> ouais, donc, euh, donc euh, oui, non, effectivement, euh, Batless, de toute façon, je pense qu'il faut euh, effectivement le, le laisser bosser un peu et c'est pas en changeant de coach maintenant que euh, on va avoir euh, forcément euh, 15 points qui vont rentrer dans la besace en 5 rencontres. Euh... <laughs> Alors la question suivante sur, euh, sur le débrief, euh, on va y aller. Hein. <laughs> le maintien. Trop tôt pour flipper Point d'interrogation Allez, déchaînez-vous, je vous regarde. <laughs> euh, pour... Qui flip Dé Déjà à main levée dans le chat, qui flippe et, euh, et messieurs, euh, entre vous deux, est-ce que en vrai, il y a une part d'appréhension vis-à-vis du maintien il y, a, il, y a, il y a forcément une part d'appréhension si on est factuel euh, sur, sur ce qui se passe actuellement et si on regarde le classement, euh, on serait fou de, de ne pas avoir d'appréhension, d'autant plus après ce qui s'est passé l'année l'année précédente. Ouais. Euh, l'année passée, on était dans la même situation euh, à, cette, à ce moment-là de la saison, euh, voire pire. Je ne sais plus le classement qu'on avait à cette époque-là en Ligue 1. Et on se disait tous, mais bon, on va remonter la pente, ça va aller, c'est un coup de moins bien. Non, faut, faut être réaliste, faut, 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 faut être factuel comme je l'ai dit. Et faut voir qu'aujourd'hui, on est 18e, euh, on a égalité de points avec le, le 19e et le, le dernier Kenyor au niveau de la dynamique on n'est pas au top euh, donc non non faut faut être euh, pied à terre euh, et se dire que tout est possible malheureusement on l'a vécu l'année passée vigilant à, mais pas flippé quoi voilà pas flippé vigilant parce que il y a un il y a, y, a y, y a un historique euh, récent très récent même euh, mais pas flippé parce que on est encore au début de saison et comme je l'ai dit euh, pour moi Batlet c'est l'homme de la situation et on a un effectif qui est taillé euh, pour, euh, pour finir, pour moi, aller euh, dans la première partie de, de Tableau de Ligue 2. Donc, euh, pas flipper, mais restons vigilants et tout sera question de dynamique dans les, dans les semaines à venir. Eric, les chocottes Non, alors, euh, moi, je, je suis d'un naturel très optimiste hein, et. Euh... Euh, en soi, euh, que, comme le disait Alex, et il a raison, euh, il s'est passé la même chose l'année dernière. Et euh, bah, moi, l'année dernière, euh, à, à cette époque-là, on me demandait si c'était allé descendre, je j'en répondais non, jamais de la vie. Euh, après, euh, là en l'occurrence, la situation est quand même différente parce que l'année dernière, on fournissait des prestations insipides, euh, on a gagné aucun match euh, sur les euh, 13 premiers, je crois. Euh, 11 ou 13, je sais plus, enfin bref. Euh, on n'avait pas 3 points en moins et euh, on n'avait pas un effectif euh, euh, mentalement, euh, quantitativement et, et qualitativement qui était euh, d'un niveau suffisant pour remonter la pente. Et à cette époque-là, l'année dernière, j'avais j'avais eu un, 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 un manque de clairvoyance par rapport à ça. Euh, Aujourd'hui, malgré tout, il y a beaucoup de signaux positifs, hein, comme, comme on le disait, dans le jeu, euh, dans les attitudes de certains, bon, beaucoup moins dans, dans, dans l'attitude d'autres joueurs. Mais, euh, mais c'est une équipe qui, malgré tout, en veut, montre des choses, euh, subit beaucoup... Mais fait aussi subir. Enfin malgré tout, euh, j'avais vu une stat, je sais plus laquelle, mais en gros, Sochaux a subi, euh, euh, a subi hier à domicile euh, comme elle a rarement subi depuis le début de saison et on parle quand même du quatrième de Ligue 2. Euh, je, je, je reste vigilant sur les attitudes, surtout c'est surtout ça qui, qui pourrait être effrayant si on voit des joueurs qui lâchent complètement. Euh, là, c'est plus, on parle de méformes, on parle de, de joueurs qui sont un petit peu tête en l'air, beaucoup tête en l'air, euh, qui se donnent peut-être pas assez, mais c'est pas des joueurs qui sont euh, totalement à côté de la plaque comme on pouvait les avoir la saison dernière. Euh, on peut redresser la pente et on, on va redresser la pente. Euh, parce que j'ai une totale confiance en Batless, parce que j'ai une totale confiance en la cellule de recrutement. Euh, totale que... confiance en la cellule de recrutement Confiance ouais. c'est bien déjà. Non, non, totale confiance. Total, total. Euh, ouais, 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 ouais. optimiste de nature, effectivement. <laughs> je, je pense qu'il y, y a une cohérence euh, certaine dans le projet. Euh, et du coup, enfin, le, le... là, en l'occurrence, les, les recrues ne sont pas toutes satisfaisantes. Mais elles sont cohérentes. Euh, ouais. Dans, dans l'idée, de base, c'est ça. C'est ce qu'il nous faut. Après, euh, les mecs, euh, les mecs ne, ne donnent pas ce qu'on attend d'eux, ce qu'ils ce qu devraient donner. Et là, le problème est autre. Mais, euh, mais non, de, de base, euh, c'est très cohérent. Et hormis, comme je le disais, peut-être euh, le, le maintien de green en, au poste de numéro 1, on va dire que je m'acharne. Mais bon, fin, voilà, les, les prestations parlent d'elles-mêmes. Euh, hormis le, le, voilà, le, le poste de gardien euh, et un manque de profondeur en attaque on a un effectif qui quand même est pas dégueulasse et euh, ça se voit dans les prestations quoi. on fait pas des prestations dégueulasses non plus on domine la plupart de nos matchs euh, je pense que ça joue sur beaucoup de détails euh, je sais que Batles va pas lâcher et que du coup derrière les joueurs qui écoutent son discours ne vont pas lâcher non plus euh, et moi je vois quand même beaucoup de signaux rassurants il y, y a un message qui m'a fait rire tout à l'heure dans le chat. Je lui faudrait essayer de gruger l'arbitre pour jouer à 12 au début du match. Comme ça, on pourrait finir à 11. C'est vrai qu'on a, ouais, euh, oui, ouais. a un carton rouge par match en ce moment. Euh, euh, tu t'évoquais tu, tu le cas Green. Euh, en euh, son match, il n'est pas pire hier. J'aimerais bien qu'on qu qu parle vite fait de, de Green pendant deux minutes. Euh, Alex, t'en as pensé quoi du match de Green hier Parce que certes, sur le premier but, il est fautif, mais fin, sur, sur, sur la deuxième mi-temps, il fait quand même 2-3 parades de plutôt très bon niveau. Ouais, bah, c'est tout le paradoxe avec Green, mais comme tu l'as dit, malheureusement... Euh, sur le premier but, sur le corner, euh, sur l'action qui mène au corner du moins. On, on euh, peut il peut difficilement ne rien lui reprocher là sur le premier but. Ouais. Bah ouais, il doit parler, et, euh, il doit sortir et capter ce ballon euh, facilement. Et finalement, ce corner mène, euh, mène au premier but. Donc euh, c'est le problème avec Green, il est capable de te sortir des parades comme il sort euh, en deuxième mi-temps où, où il te garde à flot. Euh, il te maintient à flot. Et euh, il, te reste, euh, il te laisse dans le match. Mais il y a toujours... Euh, euh, cette petite erreur, cette petite, euh, euh, ce petit grain de sel euh, qui, qui vient enrayer la machine un peu, euh, et qui fait que bah, finalement, ça reste un gardien qui, 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 qui n'est pas très fiable en, encore. Euh, C'est pas un mec euh, qui, qui va rassurer une défense pour moi, Green. Euh, C'est tout con. Moi, j'ai grandi avec les années. Jeannot. Euh, Jeannot, euh, oui, enfin, ouais, plus jeune, mais c'est pas, pas un gardien qui me, qui me rassurait non plus mais quand tu avais réussi tu, tu savais que pas tu pouvais dormir sur, euh, sur tes deux oreilles mais tu savais que tu étais tranquille euh, green pour moi c'est pas un gardien qui dégage cette sérénité là et quand on voit nos problèmes défensifs euh, si en plus de cette défense un peu lourde et pas rassurante t'as un gardien derrière euh, qui n'est pas, euh, qui, qui, qui pas costaud, qui n'a pas les épaules pour, pour amener quelque chose de, de serein, de clair dans cette défense-là, ça devient compliqué. Et malheureusement, Green, euh, à tous les matchs, il y, y a une petite boulette ou un petit truc qui fait qu'on euh, est sur un fil à chaque fois. Quoi. Dans, dans le chat, je vois Hervé, euh, notre, euh, notre optimiste euh, indéfectible pour le coup, qui dit, Green, on retient plus les moins que les plus. C'est vrai aussi. Euh, mais par contre, euh, Lahila dit aussi justement, regardez Green et comparez-le avec le gardien de Sochaux qui dirige sa défense euh, et qui impressionne l'attaquant et qui communique. C'est vrai qu'on mm -hmm. a vu, euh, on, on a vu une vraie différence en termes de d'impact en tout cas sur euh, sur le jeu en plus de son propre jeu vis-à-vis euh, -vis du gardien de Sochaux. Mais surtout, euh, Green en plus. Euh, alors oui il fait, il fait deux beaux arrêts euh, à la fin du match mais ça veut dire qu'il commence son match à la 70 e ce qui est un petit peu dommageable quand même pour le reste de l'équipe euh, avant ça euh, c'est des mauvaises relances c'est des sorties hasardeuses parce que le deuxième but on peut aussi euh, on peut aussi lui mettre une petite part de responsabilité parce qu'au moment où il sort sur euh, Sissoko il sort mais il plonge pas en fait il, juste il, il se met devant Sissoko il hésite Ouais, mais il quand, quand il quoi. plonge dans les pieds des... des joueurs, on sait comment ça, ça finit. Ben c'est ça, et c'est pour ça, en fait, enfin, ça veut dire que déjà, le gardien n'est pas fiable, et c'est pas bon signe, et, euh... mais oui, on le voit sur les sorties aériennes, il est pas, il est pas serein, euh... enfin, c'est un... un ensemble de choses qui font... Je... Hier soir, après le match, j'étais très énervé, du coup, je... je... Je, je vadouillais un petit peu sur internet pour trouver des choses rassurantes et euh, je suis tombé sur des sites de data. J'ai recroisé des, des infos parmi les 5 grands championnats et leurs championnat inférieur. Donc, on prend un total de 10 championnats, euh, soit à peu près 200 gardiens titulaires. Euh, Green fait partie des 1% qui encaissent le plus de buts et fait partie des 5% qui font le moins de pourcentage d'arrêt par match. Euh, je, je, je sais pas si vous si vous rendez compte de la statistique si elle est assez claire ouais, ouais, est bah, oui oui, oui c'est très parlant pour le coup ouais. globalement Green fait partie des 5% des, des, ouais, des 5% des pires gardiens de, des, 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 des 10 championnats enfin euh, des 5 grands championnats de leur championnat mineur euh, euh, après c'est sûr que ce, ce genre de stats est, est parlante certes ne jamais oublier que euh, devant lui il a Girodon et pas Van Dijk aussi hein. Oui, ah oui, oui, bien sûr. Mais ça, fin, la, la défense, c'est toujours un problème collectif. Hein, c'est un ensemble. Enfin, tout le monde défend en théorie, sauf Crasso. Mais euh, je, je, j'aime je, 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 pas stigmatiser des joueurs. Et là, en l'occurrence, c'est un naufrage collectif hier. Mais, euh, mais ce qui est sûr, c'est que avec un gardien comme ça, on peut pas s'en sortir. Ouais. Je vois, je vois Maître Lout qui dit Il a commencé en disant j'avais besoin de ma, me rassurer et il nous sort ça. C'est vrai que c'est pas très rassurant au final. Non, 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 pas du tout. Ouais. ça m'a ça Après, ça, ça ça conforte un petit peu dans ce qu'on voit. Euh, c'est que, bah, en fait, c'est comme une pyramide, enfin, c'est comme une maison. S'il n'y a pas les fondations, s'il n'y a pas la, la première étape, à savoir le gardien derrière qui, qui sauve les meubles quand il le faut. Et bah forcément, au-dessus, il y a un peu, de, un peu de fébrilité parce que les défenseurs savent qu'ils ne peuvent pas faire d'erreur parce que derrière, la personne va pas rattraper le truc. Et, euh, et du coup, c'est un ensemble de, de, de petits détails qui font que tous les joueurs sur le terrain vont être stressés et vont avoir peur. Et, et, et juste pour finir sur Green, pour clôturer le, 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 le sujet, euh, quand il voit que son concurrent direct, qui est euh, derrière, euh, qui enchaîne pas mal de boulettes euh, également, enfin. Euh, Peut-être Qu'il est dans un certain confort et qu'il n'est pas poussé non plus à ouais. dans ses derniers mouvements. J'en sais rien, c'est peut-être une hypothèse, mais en tout cas, euh, voilà. Euh, Dreyer, c'est pas non plus le mec qui va le bousculer et qui, qui, va, le pousser, euh, qui va le pousser à devenir meilleur chaque jour, je, je pense. Voilà mmh. à mon avis aussi. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur ce match ou est-ce qu'on on, on passe à la suite? J'aurais beaucoup de choses à rajouter. Oui, mais bien je pense sûr, on a tous beaucoup vrai. de choses à rajouter. Non. Beaucoup de colère. À, mais à ce serait très incisif et, 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 et pas forcément euh, très intelligent de ma part, on va dire. <laughs> Alex, rien à rajouter Non, ouais, comme. Euh, si, si, euh, beaucoup de choses à rajouter. Ouais. Mais, euh, on est pris par le temps. On va passer à ta minute sans filtre, justement, Alex Jingle. La minute sans filtre, la minute sans filtre, la minute sans filtre d'Alex. Eh bien, nous t'écoutons. Ouais, donc du coup, moi j'ai décidé de, de, de faire un focus sur, euh, sur la défaillance des cadres euh, que connaît l'AS Saint-Etienne. Donc euh, on sait tous qu'il y a environ euh, 4 mois, euh, Batles devenait l'entraîneur de, de, de saint pour le plus grand bonheur de bon nombre de supporters des Verts, hein, moi le premier au passage. Et comme tout entraîneur qui arrive dans un nouveau club, bah, l'ancien numéro 10 Stéphanois, il a très vite voulu axer sa stratégie sur le, recru le recrutement de cadres. Euh, alors par cadre, j'entends joueurs confirmés, euh, ayant une certaine expérience de la Ligue 2. Mais également de la Ligue 1 euh, et des joueurs également avec lesquels Battles avait déjà eu l'occasion de travailler et de transmettre ses idées. Alors, moi aujourd'hui, j'ai envie de parler un peu de ces cadres. Que dis-je de ces supposés cadres euh, Parce qu'on peut pas dire qu'ils nous apportent la sérénité et l'expérience escomptée. Euh, en gros, si je devais résumer ma pensée à l'heure actuelle, euh, je dirais que sur le papier, Synthée bah, est une équipe expérimentée avec des joueurs euh, qui, qui, qui le sont, mais se comporte comme une équipe de jeunes. Comme une équipe innocente, euh, et je pense même qu'on pourrait parler, hein, comme je l'ai dit, de défaillance euh, de cadre. Alors, quand on parle de défaillance de cadre, on peut bien évidemment parler des joueurs qui, les uns après les autres, plombent nos matchs et nous coûtent des points. On peut par exemple parler de la non-sortie d'Etienne Green hier soir qui amène le corner sur le premier but, la sortie kamikaze de Green contre Pau qui nous laisse à 10 et permet à CV d'égaliser sur le coup franc qui suit, euh, les boulettes de Dreyer à Guingamp qui nous coûtent deux buts, le tacle des deux pieds décollés de Seydouceau contre Valenciennes qui nous coûte deux points dans les arrêts de jeu. Et encore, la liste, elle n'est pas exhaustive parce que j'aurais pu continuer pendant des heures et des heures. Mais en tout cas, voilà, il euh, y a vraiment cette notion de cadre qui, qui nous plombe par leurs erreurs individuelles. Quand on parle de défaillance des cadres, on peut également parler de joueurs censés avoir compris la mentalité verte, qui savent faire profil bas quand ça ne va pas et travailler au lieu de, par exemple, euh, de trouver le moyen de se prendre la tête avec l'une des figures emblématiques des Magic Fans 91 hier. Couille, ma maçon. Et enfin, quand on parle de défaillance des cadres... On peut évoquer également une attitude générale trop gentille, trop naïve, trop innocente. Euh, C'est-à-dire que si on se penche juste sur le match d'hier soir, il n'y a aucun joueur d'expérience qui vient mettre la pression sur l'arbitre de manière subtile pour l'inciter à mettre le deuxième jaune sur l'action du penalty. Personne ne vient mettre la pression sur l'arbitre pour qu'il sorte les cartons jaunes à Sissoko de Socho sur deux fautes complètement évidentes. Et ce manque de vice, ce manque de d'expérience, euh, cette naïveté, elle dure depuis des mois et des mois, et ça aussi ça nous plombe. Donc l'idée ce soir, vraiment, pour faire bref, c'était pas de, de faire incomber toute la responsabilité de ce qui se passe sur les, les épaules des joueurs cadres, mais de souligner qu'à qu Synthé, voilà, on n'est même pas aidé par ceux qui sont prétendument censés nous aider à grandir et à gérer des périodes un peu plus compliquées comme c'est le cas actuellement. Ok, merci. Euh, les, les joueurs cadres, est-ce que tu peux euh, mettre des noms euh, comme ça euh... Ah, bah les joueurs cad, on même en a parlé. Même si on voit à peu près de qui, voilà, de qui on parle, mais. Les joueurs cadres dans l'équipe, dans, dans euh, on les identifie très rapidement à des mecs comme euh, Girodon, Briançon, euh, Etienne Grid, je dirais pas que c'est un joueur cadre, mais c'est quelqu'un qui commence à avoir de l'expérience et qui reste un joueur clé de, de Batless Yvan euh, Masson, Trasso euh, Valencia. C'est des mecs qui ont soit de l'expérience du haut niveau, d'accord et qui sont défaillants ou soit des mecs que Batless considère un peu comme joueurs clés dans son dispositif dans son, dans son 11 et qui répondent pas présent jour après jour semaine après semaine quoi. Ok très bien euh, Eric tu, tu rejoins Alex sur ce, sur ce diagnostic Ouais ouais je suis d'accord avec lui hein. globalement, euh, bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure hein. sur le terrain il y a, y a mon conduit et l'Aubry qui sont à peu près au niveau. Briançon a été défaillant hier euh, alors que c'était euh, un des seuls défenseurs qui me donnait satisfaction depuis le début de la saison. Euh, le, le problème c'est que si on élimine les cadres petit à petit comme ça et qui commencent à, à sombrer un petit peu, euh, ouais ça peut devenir dramatique. Euh, après, euh, enfin, je, je suis totalement d'accord avec ça et je, je, je peux contredire Alex sur aucun point, il a totalement raison, enfin, s'il n'y si a personne pour montrer l'exemple dans le club, euh, c'est compliqué pour les autres de suivre. Euh, après, euh, on, peut, on peut souligner aussi le, le fait que, euh, tu vois par exemple, Green Mason, moi c'est des joueurs que je ne mettrais pas en tant que cadre, et, mais ils sont juste en dessous, mais ils sont trop neutres en fait. Moi, je, je considère qu'un joueur qui n'est pas, pas cadre, un joueur qui a dépassé la vingtaine, qui, qui commence à se faire une place dans l'équipe, il doit essayer de s'affirmer. Il doit justement essayer de faire partie de ces cadres, euh, essayer de se faire une place. Et c'est des mecs qui, pour moi, euh, ne le seront jamais. Euh, on, on va être très clair hein, dans leur comportement. Ces mecs-là ne seront jamais des leaders. Et euh, bah, c'est, enfin, euh, ils sont trop neutres. J'ai l'impression qu'ils sont euh, qui sont pas influençables qui sont dans un espèce de spleen euh, pas assez combatif quoi de... ouais c'est ça ils sont dans un cocon ou euh, ils sont peut-être dans un certain confort et, euh, et, et ils évoluent pas par rapport à ça donc euh, je, je, je pense qu'Alex a raison si on avait des cadres qui, euh, qui se bougeaient un peu plus euh, justement ces, ces mecs là qui sont encore relativement jeunes se bougeraient aussi un peu plus mais, euh, mais ouais c'est un, un, un manque de de Harney, général, je dirais. Euh, Alex, je vais revenir sur un truc que tu as dit dans ta minute. Euh, tu pas le premier que j'entends aujourd'hui parler de, de ce côté trop gentil de des joueurs de synthé, du fait de ne pas monter au créneau quand ce n'est pas le bon joueur qui est sanctionné sur, sur le penalty, de ne pas plus être de réclamer, mais. Comment on peut allier ce côté d'être plus hargneux, on va dire, avec la nervosité actuelle qu'on a, qu a soulignée tout à l'heure Est-ce que ces deux éléments-là mis ensemble, ça ne donnerait pas euh, justement ce qui fait qu'on a autant de cartons rouges depuis le début de saison Non, non, je pense pas. Alors après, attention, c'est un problème qui est réel depuis le début de la saison, mais pour moi, c'est un problème qui dure à synthé depuis mes X années, euh, qui était euh, symbolisé par le capitanat de Loïc Perrin. Loïc Perrin, qui est la gentillesse incarnée et qui était un gentil sur le terrain aussi. À chaque fois, qu'on n'est pas assez roublard, en fait. Euh, je prends des, des cas comme euh, Patrick Balcani. <laughs> c'est parce que c'est le roi des roublards, c'est pour ça. Enfin bref, référence. On en l'époque. Je prends l'exemple euh, de Lyon, de Paris. Euh, c est, c est, ces clubs-là ont pu, à un moment donné, bénéficier d'erreurs de, 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 d'arbitrage en leur faveur. À chaque petit contact litigieux, à chaque action litigieuse, t'as 10 mecs qui entourent l'arbitre, qui mettent une pression folle, euh, et ça, monte, ça remonte jusqu'à Olas qui mettait la pression, une pression folle sur les arbitres. Nous, on est un club de gentils, que ça soit sur le terrain ou au niveau, euh, dans, les, dans les coulisses, euh, au niveau de, de, de l'équipe dirigeante, on reste lisse. Il n'y a jamais. Euh, sur l'ensemble des scandales euh, d'arbitrage qu'on qu a connu ces dernières saisons, il y en a eu pas mal, ça a jamais fait grand bruit. Et ça recommençait les semaines qui suivaient. On a Casiriy euh, sur le terrain qui était un peu euh, acharné, mais sinon. C'est Seul. Qui est-ce ouais. qui est -ce qui avec Casiriy Personne. Ouais, ouais, c'est sûr. Tu vois, donc c'est vraiment, vraiment pour ça que je dis que c'est un problème qui dure depuis X années et qui dure encore cette, euh, cette saison-là. À part à part Girodon, euh, à part apparemment Briançon hier sur le penalty, il va voir l'arbitre et qui demande le carton. Il y a personne. Mais. Alors que putain, t'as un penalty. Et as l'occasion de jouer à 10 pendant euh, 22-23 minutes après. Enfin en superité numérique pendant 22-23 minutes après. Non, Alors... personne arbitre et se précipite. Et ça, ce manque de. Ce manque de niaque aussi, ce manque de, de, de roublardise, ce, ce manque de vis, moi ça m'embête. Euh, juste avant qu'on passe à la partie sur, sur le prochain match, euh, je reviens sur, sur un dernier truc. Je, je vois qu'il y a une question euh, euh, intéressante qui revient à plusieurs reprises. Alors, il y a Green Prospect déjà qui demande Quelle différence entre cadre et leader Et qu'est-ce qu'on attend d'un cadre contrairement à un leader Et il y a DelBTV qui dit C'est pas de cadre qu'on a besoin, mais de leader. Quelle différence vous, vous feriez euh, Eric, tu fais quoi comme différence entre cadre et leader euh, tout d'abord, je salue Sylvain du coup. Euh, on salue Sylvain, le... bien sûr. On l'embrasse. Euh, je je pense qu'un leader c'est euh, ça, ça fait partie des euh, allez des deux trois mecs en, en haut du club qui sont euh, des exemples pour tous les autres. Quand on parle de leader, c'est des mecs qui sont indétrônables à ce poste-là et euh, et qui donnent l'exemple tout le temps et qui euh, qui qui emmène les autres vers le haut. Euh, les cadres, c'est plus des, des, des joueurs clés de l'effectif euh, qui, qui se doivent de montrer l'exemple aussi euh, sans être forcément euh, les premiers à sauter sur l'arbitre ou quoi, mais euh, quand on parle de cadre, c'est un joueur en qui on peut faire confiance. Au-delà ouais. d'être un vrai leader et d'être vraiment la figure de proue d'un projet, euh, un cadre, c'est un joueur en qui on peut avoir confiance. Et euh, là, en l'occurrence, c'est très dur de trouver des cadres et c'est très dur de trouver. Enfin, c'est encore plus ah. dur de trouver des leaders. Pour, pour essayer euh, de donner un exemple, un, un joueur comme Griezmann, c'est un cadre, mais c'est pas un leader. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, ouais. ouais. Euh, là où, par exemple, un joueur comme euh, Karim Benzema serait un leader. Ouais. Et un cadre en plus. Et un cadre en plus. Oui. Euh, après, un leader est forcément un cadre, je pense. Mmh. Oui. Ok. Bien. Eh bien, écoutez messieurs, je vous propose qu'on passe à la dernière partie de cette émission où on va parler du prochain match. C'est parti Active saturday Night Club Le prochain match Alors pour le prochain match euh, Hop c'est ici que ça se passe euh, On va jouer contre euh, le PFC Hop ici samedi à 15h euh, première question que, que je vais vous poser, euh, très rapidement, est-ce que se remettre le public dans la poche, c'est l'enjeu premier de ce match Est-ce que déjà euh, faire un petit peu la paix avec les supporters, parce qu'on a vu que, enfin la paix, D disons que depuis le début de la saison, il y a eu un match à domicile avec les supporters et qu'il y, eu, euh, qu y a eu déjà quelques, euh, quelques embrouilles, est-ce que euh, le fait que le match se passe bien entre les joueurs... Et les tribunes, c'est déjà le, un, un premier objectif. Ou est-ce qu'on s'en fout Le seul intérêt, il est sportif. Mmh, for, for, forcément, euh, ça va être un, un paramètre à prendre en compte et, euh, et un des objectifs de, de ce match. Euh, encore plus quand on sait comment le, le match d'hier à Bonal s'est fini, c'est-à-dire que il euh, y a eu des, euh, on veut une équipe digne euh, de son public. Donc, il y a un certain mécontentement et euh, une certaine grogne qui commence à, à poindre là avec euh, la, la dynamique actuelle. Donc, je pense que c'est très important euh, d'éteindre euh, l'incendie euh, directement euh, et de remettre, que, comme tu l'as dit, euh, tout de suite euh, les support, nos supporters dans, 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 dans la poche et les mettre avec nous parce que ça va être un atout euh, considérable et très important euh, pour, pour redresser euh, la pente. Donc, euh, non, non, c'est clair que pour moi, euh, bien sûr, l'objectif premier, c'est les trois points. Euh, mais ça va de pair, en fait. Si on a ouais. les trois points, il euh, y aura le public derrière nous, il euh, y aura Geoffroy Guichard derrière, et, et tout ça se remettra en place rapidement. Mais c'est impératif euh, de, de prendre les trois points euh, samedi euh, par, rapport à, par rapport à ça. Ouais. Euh, Je suis pas totalement d'accord avec, euh, avec ce que tu dis, Alex. Euh, je suis d'accord avec toi dans le sens où euh, il, faut, il faut une victoire pour, euh, pour retrouver de la solidarité entre le, 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 les supporters et l'équipe. Mais euh, je sais pas si vous vous souvenez, contre Grenoble, euh, Victor Lobry, quand il est rentré en jeu, à un moment il a obtenu un corner et, euh, et il s'est rapproché des supporters et il, a, il les a encouragés à, à, à faire plus de bruit. à se, Il les à a, a encouragés à encourager. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est le genre de scène que moi j'aime beaucoup. Parce que ça montre à quel point le joueur a conscience de l'importance du public. Euh, et euh, bah, c'est le seul qui l'a fait en fait. Ouais. Et c'est un petit peu inquiétant parce que même Briançon, enfin moi ce qui m'a surpris ce qui m'avait surpris à la fin du match, c'était Briançon qui disait, euh, bah c'est bien, les, su les supporters nous ont bien soutenus, on est content de les retrouver. Ouais. Alors qu'il alors qu y avait un... Enfin, les, 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 le Cop Nord était euh, assis. Ouais. Je, je, c'est lunaire comme. Euh, je, je pense qu'il faut aussi. Euh, c'est un des enjeux pour les matchs à domicile. Il faudrait peut-être que les joueurs prennent conscience de ce que c'est Geoffroy Guichard. Et, euh, et de ce que c'est euh, l'importance de, de jouer avec un public qui est en feu derrière toi. Ouais. Euh, une question de com' derrière, hein, Eric. Ouais. Ils viennent il de retrouver le stade après 4, 4 matchs à huis clos. Ils vont pas dire euh, Ah bah on est très déçu, les, les, le, le public a. Vous à, à mieux. Geoffroy Guichard voilà. euh, surcoté. <laughs> voilà, c mais je suis d'accord avec toi. Je comprends totalement ce que tu veux dire. Après, je pense qu'il faut reprendre les choses dans le contexte et se souvenir qu'on sort de quatre matchs à huis clos après, avant ce match contre Grenoble et que finalement, les joueurs ils devaient penser ce que tu, franchement, ce que tu disais. Je pense que les joueurs le pensaient. Mais si tu veux pas mettre l'huile sur le feu. Tu dis, voilà, on est très content de retrouver les supporters, ça fait un, un bien fou, et stop, tu t'arrêtes là. Tu vas pas dire, euh, ils font chier à être, à être restés assis comme des cons pendant 90 minutes, on est très déçus ah de. Sans, sans être dans le jugement, ça aurait été pour moi de, 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 une bonne idée de, de signaler la surprise de, de, du cop qui, euh, qui est resté assis, tu vois. Ouais. Euh, parce, que, parce que, au moins, tu vois, en disant ça, tu montres que tu sais ce que c'est Geoffroy Guichard en temps normal. Et tu nous sors pas une, une, une phrase super neutre en disant on est content alors que c'était pas du tout Geoffroy Guichard comme il a son habitude. Et du coup tu parais hors sujet et moi honnêtement ça m'énerve. Tu vois Donc euh, je... je... Je pense que, enfin ouais, comme, comme tu le disais, oui, c'est sûr que c'est de la com, hein, mais, euh, mais à un moment, il faut aussi être malin dans la com et rentrer à la fois dans le jeu de euh, la com qui passe partout et la com qui te met un petit peu le public dans la poche et qui te donne envie de, de, de te soutenir, quoi. Pour, pour terminer sur, sur le rapport avec les supporters, ensuite on, on, on parlera vite, frais, vite fait quand même euh, du sportif, euh, on, on, on a des messages intéressants, il y a Deontopou qui dit « Il faut que le lien de confiance entre supporters et joueurs se renoue, parce que les joueurs ont avoué qu'ils avaient peur des tribunes, il est central que la tribune soit de nouveau le douzième homme pour les joueurs. » Il y a Véritablement Vert qui dit « Le Chaudron risque d'être à moitié vide samedi, seul le cop nord est complet, il faut gagner samedi avant tout pour créer un lien entre les supporters et les joueurs, par contre si défaite, il risque d'y avoir une cassure sérieuse. » Ou Piazza le Breton qui dit « a impérativement besoin de ses supporters, donc il va falloir gagner et retrouver la confiance du peuple vert. C'est sûr qu'une victoire à domicile euh, ferait euh, le plus grand bien. Euh, je vous propose qu'on parle de euh, l'effectif de la Saint-Etienne pour euh, le prochain match. Alors j'ai fait une petite capture d'écran, hop. De, euh, de l'outil euh, Macompo sur le site peuplevert.fr où on peut faire sa petite composition d'équipe. Euh, N'hésitez pas à l'utiliser. Et, euh, et je vous propose de me dire ce que vous changeriez dans cette équipe, sachant que Jean-Philippe Crasso a pris un carton rouge et sera donc suspendu. Euh, tiens, Eric, on va commencer avec toi. Qu'est-ce que tu changerais dans, dans cette équipe Déjà, est-ce que tu changes le système euh, Non, non, non. Enfin. Euh, euh, après, euh, c'est un système pour moi où euh, c'est pas à deux pointes, mais c'est enfin, oui, euh, avec quand Crasso était présent. C'est euh, une 9 -9 pointe 9 avec et Wadji, ouais et, de, et de, ouais, et derrière il y a euh, Crasso et Chambaud. Euh, moi, je mettrais Cafaro à la place de Crasso, du coup, euh, mettre Wadji devant avec euh, Cafaro et, et Chambaud en soutien euh, au milieu de terrain. Euh, je vois pas trop l'utilité de, de, de changer. Euh parce que l'aubry est satisfaisant parce que mon conduit est satisfaisant et qu'on aura besoin de leur expérience ils font partie des, des joueurs les plus âgés du club euh... après euh, sur, le, sur, le, sur les postes de piston bah, on va faire avec ce qu'on a j'aimerais bien revoir euh, j'aimerais bien revoir Eiki euh, euh, sur une aile ouais. euh, avec Masson parce que Palencia je le trouve vraiment trop, trop neutre et euh, alors certes il a un profil plus défensif mais même défensivement, il sert à rien. Donc euh, ouais, j'ai envie de tenter le tout pour le tout et j'aimerais bien revoir Iki. Euh, après, défensivement, euh, Petro est remis. Ce serait une défense où on sortirait Giraudon. Euh, Briançon serait dans l'axe. Bakayoko à droite et Petro à gauche. Et, euh, et en gardien, bah on continue avec Green hein, parce que c'est dans le projet et peut-être que ces deux arrêts à la fin du match lui ont donné confiance. Ok, euh, alors très 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 rapidement s'il te plaît, vraie question à vous est-ce que l'Aubry en tant que piston gauche ça vous choquerait C'est ton collègue de chez Green Prospect qui demande ça T'en penses quoi toi Très rapidement euh, Il peut jouer partout donc euh, ça me choquerait pas plus que ça. Après ça le limiterait beaucoup dans ce qu'il peut apporter parce qu'on l'a ouais. vu, euh, vu hier, il court partout et il est utile partout donc ce euh, serait un peu dommage. Et je termine avec toi un prono pour Saint-Etienne euh, Paris FC. Euh, pff, victoire 2-0 de Saint-Etienne. Ah, allez. On est, on est optimiste. Euh, Alex, je viens vers toi. Est-ce que tu gardes le même système Et si oui, quel joueur tu mets à la place de quel joueur euh, bah Eric euh, a évoqué pas mal de choses que j'aurais que j'aimerais voir. Ouais. Euh, C'est vrai qu'Aiki, moi, j'aimerais bien le revoir euh, sur le terrain. Donc pourquoi pas le, le voir en piston droit euh, à la place de Palantia, que, que je trouve euh, pff, mauvais hein, pour, pour rester. Donc pour Aiki rester. à droite, maçon à gauche ou maçon à droite, Aiki à gauche euh... Ouais, Aiki à gauche. Ouais, parce le que maçon à gauche, moi j'en ouais, peux ouais. plus, j'y peux payer. Aiki à gauche et, <laughs> et maçon à droite. Euh, je serais même tenté de mettre Cafaro moi à droite en piston droit à la place de, de maçon. Okay. Parce que je pense qu'il avait été bon euh, à ce poste-là. Donc euh, j'étais étonné d'ailleurs que, que Batless ne le reconduise pas. Euh, donc euh, en défense, on resterait là-dessus. Très bien pour euh, la défense actuelle avec Petro, euh, euh, Bakayoko et, euh, et Briançon. Euh, on, on resterait sur un milieu euh, à 3 avec euh, Mon Conduit, L'Aubry et Chambaud. Euh, euh, euh... Non, je mettrais Chambaud avec Wadji euh, et je partirais avec euh, une pointe basse, Mon Conduit, euh, L'Aubry à droite et euh, Bouchoirie euh, à gauche. Okay. Donc retour, retour, potentiellement de Bouchoirie avec, avec cette équipe-là. Évidemment, sans Crasso, il va falloir euh, oh s'adapter ouais, un mettrai, petit peu. Euh, je je mettrais euh, Alors c'est pas deux attaquants hein, réellement. Oui, euh, oui, Chambaud, oui, mais c'est Voilà, Chambaud qui serait vraiment euh, au plus proche de l'attaquant là où il est le meilleur. Euh, donc j'essaye de m'adapter un peu euh, aux forces en présence. Ok, très bien. Et je vais te demander un petit pronostic. Et je vais vous le demander à vous aussi, le chat. Donnez-moi vos pronos pour, pour Saint-Etienne-Pau... Euh, Paris, pardon. Euh, allez, un petit 2-1. Un petit, un petit peu d'optimisme et euh, une, une reconnexion avec le Chaudron petit à petit qui se fait. Est-ce que le but qu'on prend, on le prend avant la troisième minute <laughs> Parce que j'en ai marre, moi. Ça serait bien que non. Hein ok. Bon. Moi, bah, j'espère. Euh, allez, moi, je vois un petit... Euh... Et voilà, comme je le disais en intro, chaque semaine on est déçu, mais chaque semaine on a envie d'avoir de l'espoir. Donc je vais dire euh, un espoir euh, subtil, un petit espoir euh, 1-0 avec, euh, avec un but de. Euh de Waji dans le jeu euh, qui, euh, qui, qui lui ferait du bien à lui et qui nous ferait du bien à tous. Et je vois du euh, 0-2 dans le chat, du 1-1, on perd un 0, du 3-0, du 2-0, la crise on perd un 2, du 1-0, du 2-1, du 3-1. Bon, il y a encore une majorité de scores optimistes. Mais euh, plus on avance dans la saison, moins il y a d'optimisme dans nos rangs. <laughs> j'espère que cette émission vous aura plu. Merci à Alex et merci à Eric de l'avoir euh, faite avec moi. Merci beaucoup messieurs, j'espère que ça vous a plu aussi. À merci vous. à vous. Merci à tout le monde. Merci d'avoir été dans le chat. Euh, si vous nous avez regardé en replay, sachez que vous pouvez nous retrouver sur Twitch euh, les, euh, les lundis soirs euh, pour les semaines normales et les mardis soirs quand on joue le lundi soir. N'hésitez pas à venir parler dans le chat. Il y a plein de gens super sympas et ça débat et ça, ça, donne, euh, ça, 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 ça donne des avis dans le respect et ça c'est très cool. Merci à tous et on se retrouve la semaine prochaine pour débriefer l'énorme victoire de Saint-Etienne contre Paris FC 15 à 0. Allez c'est parti, à la semaine prochaine. <laughs> Tu les Allez les verts, Allez les verts. Allez les verts.